Bonjour et bienvenue à Art sur les manguiers. Cet après-midi, sous le manguier, nous recevons Madame Koyo. Bonsoir Koyo, bienvenue sous le manguier. Bonsoir Louise. Alors dis-nous, on va entrer directement dans le vif du sujet. Si tu nous te présentes en une phrase, s'il te plaît. Wow, en une phrase, ça va être très difficile. Passionné. Je suis quelqu'un de très, très passionné et surtout très intuitive. Parce que je trouve que l'intuition est une autre forme d'intelligence. Et je suis passionnée de tout, du monde, mais c'est surtout des êtres humains. Parce que je pense que la vraie œuvre d'art au monde, c'est l'être humain. En parlant d'œuvre d'art, pourquoi l'art? L'art parce que la vie ne suffit pas. Parce que c'est une extension de nous-mêmes, c'est un reflet de nous-mêmes, c'est vraiment plusieurs manières de se voir, de se dire et surtout de s'ancrer dans son environnement et on sait toujours depuis la nuit des temps, l'humanité s'est traduite par des objets. Et effectivement, parce que la vie ne suffit pas, il faut justement donner du sens à cette vie. Et tu as commencé une grande histoire, une histoire d'amour avec l'art, et tu as enfanté, disons-le comme ça, un lieu, une dynamique, un état d'esprit. Est-ce que tu peux nous parler de la Raw Material Company? Raw Material Company, c'est un lieu effectivement que j'ai imaginé il y a bien longtemps. Et c'est un lieu que j'ai créé parce que j'avais envie et j'avais besoin d'un lieu pareil dans l'environnement de Dakar où je vis. Parce que je voulais mettre en place un outil de transmission, transmission de mon métier. On est dans un environnement artistique où la grande majorité des gens sont des faiseurs d'art, c'est-à-dire des artistes, mais où les métiers qui accompagnent cette production sont méconnus encore, malheureusement, et même quand ils sont connus, ne sont pas vraiment valorisés à leur juste titre. Donc il y a ça. L'autre aspect, c'est aussi parce que le genre d'art ou ce qui m'intéresse en majorité pour moi dans l'art, c'est la réflexion sur l'art. C'est pas les objets en eux-mêmes, c'est pas la finalité des œuvres, mais c'est plus la trajectoire, c'est-à-dire la pensée qui accompagne, l'émotion qui accompagne, les impulsions qui accompagnent une production artistique. C'est un aspect de la pratique artistique qui est encore très sous-représenté sous nos cieux. Il était important pour moi de contribuer à une meilleure compréhension de pourquoi l'art, effectivement, et comment l'art. Et Raw Material est un lieu pour ça. Et si tu nous parlais un peu d'un métier justement qu'on ne connaît pas, c'est pas qu'on ne connaît pas assez, mais on aimerait bien que tu nous dises pour toi c'est quoi un commissaire d'exposition. Une commissaire d'exposition, c'est une raconteuse d'histoire qui utilise une grammaire et un vocabulaire emprunté aux artistes. C'est ça en fait. En somme, c'est ça. C'est que nous racontons des histoires avec des œuvres et des choses que d'autres ont produites. Et on met ça en espace et on met ça
à disposition d'un public réel ou imaginaire pour effectivement étendre la vie. Maintenant, on parle, je reprends ta fin de phrase pour te relancer sur autre chose, étendre la vie. Donc, de Dakar, hein, du Sénégal, en Afrique du Sud, il y a quelque chose qui se passe. Si tu nous parlais de comment tu passes une journée déjà, ta journée en tant que directrice générale et conservatrice du musée Z-Moka. Si tu nous parlais d'une journée type et après si tu nous disais un mot aussi sur le musée. Une journée type pour moi, en fait, toutes mes journées se passent plus ou moins de la même manière parce que je fais très peu de différence entre la semaine et le week-end. Donc, il y a une sorte de fluidité comme ça dans mes journées. Je suis très matinale, donc je me réveille très tôt, au plus tard à 6h, 5h30. En tout cas, je me réveille souvent à 5h, 5h30. Je passe beaucoup de temps, quand je dis je me réveille, je ne me lève pas aussitôt, mais je passe beaucoup de temps à méditer parce que je trouve que les meilleurs moments pour moi, pour ma réflexion, se passent entre 5h et 8h du matin, que je trouve, j'adore l'aube déjà. C'est un moment de la journée que je trouve magique et que j'aime à vivre. Selon où je me trouve, si c'est à Dakar ou au Cap ou à Douala, y a des différences. Et après ça, je commence ma journée assez rapidement, c'est-à-dire autour de 8h, 8h30, au plus tard à 9h, je suis au musée très souvent. Et j'ai une série comme ça de réunions, de discussions, de rencontres, de vérifications, de productions, voilà. Et ça va jusqu'à 19h, 20h souvent. Et je rentre chez moi. Et si tu nous as un mot sur le musée de Z-Moka, qu'est-ce que c'est exactement en termes de... On n'a pas l'habitude et l'aptitude parfois de décrypter ce que c'est un musée, particulièrement en Afrique centrale. On n'a pas beaucoup de musées. Donc on aimerait bien savoir les propositions, les activités, tout ce qui gravite autour du musée. Mais tout d'abord, Z-Moka, c'est une des plus, en ce moment en tout cas, c'est une des plus grosses ambitions en termes de musée en Afrique. C'est un des premiers musées comme ça, de cette ampleur, de cette ambition pour l'Afrique et la diaspora africaine. Et il y a... Un musée, c'est un conteneur, hein. C'est un conteneur d'objets, c'est un conteneur d'histoire, c'est un lieu, c'est un site de rassemblement, c'est un site de contemplation, c'est un site de recherche, c'est un site aussi d'éducation civique. Je pense que j'aime dire que j'aimerais vraiment que le musée ait un rôle social et civique qui ressemble un peu plus à une école ou une université. Ou même une église, c'est vraiment un lieu où le public est invité à s'approprier, à s'exposer à la production artistique sur plusieurs angles. Pour moi, l'éducation, c'est-à-dire la réflexion, est très importante dans ma pratique en tout cas. Donc, l'œuvre d'art en elle-même ne suffit pas, finalement, pour moi. Il y a énormément d'histoires autour, il y a énormément de liens et de perspectives qu'il faut explorer et creuser. Et le musée peut servir à ça aussi. Mais le musée, c'est surtout un lieu de présentation. Et les lieux de présentation, on peut les appeler musées, on peut les appeler galeries, on peut les appeler...
Le fait est que c'est un des formats, ce n'est pas le seul format naturellement, mais c'est un des formats qui s'est vraiment établi depuis les 200 dernières années et qui a le format qui a le plus de succès parce que, je ne sais pas, il y a 3 milliards de personnes qui visitent les musées chaque année dans le monde entier. Donc il y a une sorte d'attraction aussi autour du musée qui est importante. Et voilà, en somme, moi, ce que je pense de ce que c'est que le musée. Mais je pense qu'il y a aussi, il est important de noter quand même qu'effectivement, comme je disais tout à l'heure, un des travaux majeurs du musée, c'est aussi la préservation, donc la collection, l'étude et contribuer à écrire un peu l'histoire de l'art d'une région donnée ou d'un pays donné. Dans ce cas, Zaitz-Moka, c'est pour on essaie d'écrire de nouveaux chapitres de notre histoire de l'art et en lien avec non pas seulement l'Afrique, mais aussi la diaspora africaine. Alors, Koyo, si tu nous parlais d'une expérience professionnelle, une belle histoire que tu aimerais nous raconter sur le plan professionnel. Je suis très marquée par Issa Samb et le travail de Issa Samb et la vie que j'ai eue avec Issa Samb pendant très longtemps. Je pense que l'expérience professionnelle qui m'a vraiment le plus marquée et qui a vraiment eu une influence majeure dans mon parcours professionnel, c'est le jour où je l'ai rencontré la première fois. Si tu nous racontais cette petite histoire, comment ça s'est passé? Vous vous êtes rencontrés où? Est-ce qu'il a plu? Est-ce que c'était sous le soleil? Je venais d'arriver à Dakar, j'avais à peine posé mes bagages et un ami à moi particulièrement, un peintre sénégalais, Zulumbay, m'a amené à l'atelier de Issa pour... Il y avait une manifestation performance théâtrale que Issa faisait. C'était en fait aussi une sorte d'hommage et de commémoration à un des membres de Agitar qui venait de décéder, Youssoupha Dione, le dramaturge sénégalais. Et je ne connaissais pas Issa Samb. On m'avait parlé de lui comme ça, mais j'avais aucune idée de qui c'était. C'était en 1995. Et donc on arrive dans ce lieu mythique de Dakar, à l'entrée, à la porte. Il y a ce monsieur, mais absolument saisissant, qui recevait les gens, mais vraiment un par un à la porte. Et j'étais pétrifiée, stupéfaite, électrisée par cet homme. Et surtout, le fait que j'ai été présentée à l'époque que j'écrivais un peu pour des revues artistiques et culturelles. Et j'ai été présentée comme une journaliste culturelle parce que j'ai fait ça aussi à une période de ma vie. Et je me rappelle toujours qu'il a tenu ma main avec ses deux mains pendant un long moment et il a commencé à citer tous les révolutionnaires camerounais, à citer leurs noms et à me souhaiter la bienvenue et à me dire que tu es ici chez toi. Ça m'a énormément touchée, troublée. C'était tout simplement incroyable. Moi, j'aimerais bien aussi que tu nous parles quand même de tes coups de cœur artistiques de manière Koyo, pas Madame Koyo, mais Koyo tout simplement, tes coups de cœur artistiques. Par quoi tu as attiré principalement? En fait, je n'ai pas de coups de cœur, au fond. Je suis des pratiques
En fait, je pense que c'est ça que je dois répondre à cette question. J'ai pas vraiment des coups de cœur comme ça parce que je trouve que des coups de cœur sont des choses circonstancielles. Et je suis pas une personne circonstancielle. Et des coups de cœur, c'est des choses que, oh, on a un coup de cœur comme ça, après le lendemain, la semaine d'après, on a oublié. Non, je ne fonctionne pas comme ça. Je suis des pratiques de manière assidue et prolongée. Donc, oui, tout ce que Otoban Kanga sera toujours partie de ce qui m'anime. Tracy Rose, Kader Attia, Alfred Oja, Issa Samb, naturellement, toujours et partout. Je suis en train de travailler un peu plus avec d'autres artistes sud-africaines. Senzeni Marasela, par exemple, c'est quelqu'un que je trouve extrêmement important. Zarina Bimji, qui est une Ougandaise excellente. Et je pense aussi que c'est. Je reste beaucoup dans ma génération. C'est légitime, c'est assez courant. Cela ne veut pas dire que je ne vois pas et que je ne regarde pas ce qui se fait, mais c'est quand même la génération des artistes et des professionnels qui ont émergé dans les années 90. Et c'est avec ces gens-là que je participe aussi. Que j'entretiens aussi un dialogue aussi et une conversation de durée. Bon, moi, maintenant, c'est de manière personnelle, je pense aussi un peu à moi. J'ai beaucoup, même si je ne l'ai pas vu in situ, l'exposition Body Talk. Et je salue Aliou Moussa, parce que c'est Aliou Moussa d'ailleurs qui m'avait montré cette expo en me parlant de toi, en me parlant un peu de ce qui se fait sur le continent. Et je me rappelle que j'avais beaucoup aimé. Et on a discuté longtemps avec Aliou. Et au départ, je lui disais, ouais, mais comme ça parle aux femmes, c'est pour ça. Et tu me dis que non. Il faut dépasser ça. Et si ça t'a parlé, peut-être c'est autre chose qu'une revendication féministe. Et il avait dit, c'est plutôt un positionnement féminin. J'avais beaucoup aimé ça venant de. C'est les mots d'Allium. J'aimerais bien quand même, pour moi et aussi pour les autres, tu nous parles un peu de cette aventure-là, de cette exposition-là qui était Body Talk. C'est Parmi intéressant. tant d'autres, hein, il y en a eu beaucoup. Body Talk est une exposition quand même très intéressante dans mon parcours et c'est bien que tu aies relevé que ce n'est pas forcément une exposition ou un propos féministe, mais c'est un propos féminin. Tout en étant de féministe de manière quasi épidermique, j'évolue de plus en plus dans une lecture du féminin que dans une lecture du féminisme en tant que tel. Body Talk, pour moi, c'était l'occasion vraiment de réfléchir, d'étudier, de raconter une histoire, en fait, comme chaque exposition, c'est une histoire qu'on raconte à travers. Comment la sexualité, le féminisme et le corps s'intersectent dans la pratique artistique de six artistes précises, donc Tracy Rose, Valérie Oka, Masha Kure, Zulika Bouabdella, Soya Kiambi et naturellement Billy Zangewa, bien sûr. Et vraiment, c'était un moment de retracer comme ça les positions, les interprétations et aussi les propositions, parce que l'art est une proposition à la vie, en fait, au fond. Donc, ce que les artistes font, c'est font proposer des choses. Donc les propositions d'un point de vue effectivement féminin, tout en gardant tout en se gardant de mettre ça dans un carcan soi-disant féministe en tant que tel. Donc c'est important. C'est Tracy en fait qui m'anime beaucoup dans cette réflexion sur le féminin dans l'art.
le féminisme et tout. Et récemment, elle a dit quelque chose de très poignant et de très juste. Je ne veux pas être une artiste féministe, je ne veux pas être une artiste révolutionnaire non plus, mais je veux être une artiste évolutionnaire parce que, comme je dis, l'art est une extension de la vie parce que la vie ne suffit pas, donc l'évolution fait partie de ça. Donc, certes, moi, je suis persuadée que les femmes ont une sensibilité autre que les hommes, en tout cas sous nos cieux, mais je suis convaincue aussi que le côté binaire homme-femme est très réducteur à toutes les possibilités de vie et que nous avons. Donc, comme on dit, les bonnes choses, ça ne dure jamais. Mais j'aimerais quand même, parce qu'on est sous le beau ciel de Douala, on a le Vouri à côté, j'aimerais bien qu'on t'aime. Tu connais l'expression Douala, fine sauté? Oui, bien sûr. Voilà. Pour toi, c'est quoi? Oh, Douala, fine sauté, c'est un tout pour moi. Je pense pas que je pourrais vraiment réduire ça à certaines choses. Pour moi, Douala Fine Sauté, c'est vraiment... parce que Douala, c'est ma ville natale. Je suis née et j'ai grandi ici. Pour moi, Douala Fine Sauté, c'est les ruelles de Akwa. Mm-hmm. C'est Ngodi, où est notre concession familiale, où Ngodi, c'est mon village, si je peux le dire comme ça. Douala Fine Sauté, c'est ma famille. Bien sûr, c'est aussi naturellement la cuisine, c'est clair. Mais c'est surtout, pour moi, j'aime marcher et j'ai beaucoup marché dans Douala, surtout en tant qu'enfant. C'est aussi naturellement le collège Liberman, mm-hmm. parce que en tout bon libermanien, on est très fiers de notre éducation à Liberman. Et oui, c'est tout ça. Et on va vous dire au revoir et surtout liker et partager la vidéo. Merci. Merci beaucoup, Madame Koyo. Merci.